Salut, station fréquence. Attention, les stations fréquence pour le QSO national du canal 27 avec les ondes du routier. Les bonnes sur 1351 à vous tous de la part de Dadi 33, département 33. Ok, Chalo, comment vas-tu depuis tout à l'heure? Tranquille, j'ai envoyé un message à Foucault, ça va, tranquille, de WhatsApp. J'ai envoyé un message à Foucault, donc pour l'instant, c'est quelque chose, mais je vais vous rejoindre tout à l'heure. Comme tu disais, de toute façon, je vais espérer de faire pas longtemps, parce que bon, ça va être faible, mais à mon avis, je pense que toi, vu ma tête là derrière, je pense qu'il risquerait de t'entendre. Ouais. Ok, ah ben moi, oui, il y a des chances qu'ils m'entendent. Ça, il y a de très fortes chances qu'ils m'entendent, il n'y a pas de problème. Et tiens, l'orage avec, je l'entends, là, je sais pas si tu as entendu. Ok, alors, voyons un petit peu, là. Attention les stations fréquences, attention les stations fréquences pour le QSO national du canal 27 avec les ondes du routier. Les bonnes sur 1351 à vous tous, de la part de Chameau et d'Indy 33 sur le sud-ouest de France, dans le secteur de Saint-Émilion-Libourne, dans ces coins-là. Bon, il y a pas mal de propagation italienne derrière. De toute façon, nous, là, il n'y a pas de souci. Là, on démarre notre QSO. Tu m'as dit que tu avais le dernier coup, que tu avais 1 million de questions à poser. T'en es où dans ce million de questions? Voilà. Faudrait que je fasse le tri là, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans ma tête là aujourd'hui. Dans les mini questions, mais déjà, il y avait c'était la gendarmerie que je t'ai dit tantôt. Il y avait voilà le truc de l'orage que je voulais poser par rapport à une petite antenne, ça implique quelque chose qui a été branché ou pas. Bon, je cherche dans ma tête, mais je suis sûr que je vais pouvoir trouver encore. Bon d'accord, pour le premier truc que t'as dit, passons. Allez, on va à la suite. Petite question, tu me dis qu'il faut que tu cherches dans ta tête. Vous êtes combien dans ta tête? Si t'es tout seul, ça va, tu devrais arriver à retrouver les questions. Vu tout ce qui s'est passé aujourd'hui, on s'en demandait beaucoup, ouais. Ah si. Pour Chouchou, tu lui as donné l'antenne? Ouais, ouais, nickel, ouais. Ma mère, elle a cartonné sur Libourne, donc du coup, par la même occasion, j'ai envoyé un message pour qu'il se branche sur la télé. Libourne, c'est pas bien grand, mais par contre, je vais garantir pour trouver, on en a chié. Donc du coup, j'ai lui donné ça, et on a essayé, ça avait l'air de marcher. Quand il est rentré chez lui, il a été à la radio, et moi je le recevais toujours. Et il était encore sur Libourne, donc bon, après, savoir si je capterai le chien ou quoi. Ouais, affirmatif. Hein. Comme t'as vu, hein, il y avait besoin d'un bon entretien. Attends, j'allume la ventilation. Voilà, j'ai la chaudière là qui. Non, c'est bon, c'est encore tiède. Là, pour le moment, on peut juste maintenir un café chaud dessus. Là c'est tout bon pour le moment. Ouais, comme t'as vu là sur la M145, fallait changer le fouet. Fallait faire un bon entretien. Je pensais qu'au niveau de la self, c'était quelque chose qui se dévissait, puis en fin de compte, non, fallait juste tirer dessus. Et bon, bah, autrement pour le reste de la self, là, tout était nickel, en fin de compte. Là, c'était surtout un bon nettoyage. Parce que, comme tu as vu, il y avait du vert de gris, et là, c'était vraiment pas top. Par contre, Chouchou, ça serait pas mal si, par la suite, il arrive à se trouver là, une embase magnétique. Car la réparation que j'ai fait avec la rouille, je sais pas combien de temps ça va tenir. Bon, maintenant on peut toujours dire que tant que ça tient, eh ben continuons comme ça, mais combien de temps maintenant, je sais pas. J'irai pas te dire que dans une semaine ça va casser, non, absolument pas. Là j'ai fait une bonne petite soudure dessus, mais bon, quand c'est attaqué par la rouille comme ça à l'intérieur, c'est vraiment pas top. Hein. Ouais, c'est vrai que je suis content, ouais. Bon, à moi, pour l'instant, je sais pas si je vais pouvoir s'en prendre ou pas.
Bon, si j'ai un tournesol, de toute façon, c'est un sujet qu'on va préciser à l'instrument de bon point, comme ça. Et si j'ai un truc intéressant, c'est des réponses, que ce soit moi ou d'autres, que j'en peux profiter de plein de gens. Comme ça, ça poussera les gens à aller dans la suite, quoi. Voilà. Oui, affirmatif, c'est le but. Et là, toujours dans le même but, bon là, pour ce qu'on est en train de faire en ce moment, là, redynamiser le canal 27. Pour la petite histoire, le canal 27, autrefois, était le canal d'appel pour les stations fixes et mobiles voitures. Hein. Voilà, qui bien souvent étaient les mêmes utilisateurs de la CB. Voilà, et le canal 19, autrefois, était vraiment réservé aux routiers. Bon, le nombre de cibistes diminuant, le canal 27 a été déserté, et tout le monde s'est retrouvé sur le canal 19. Voilà, donc, toute l'histoire est partie d'un OM de Pascal, qui lui se trouve sur la Camargue. Voilà, donc là, lui, il active, il mène tout son petit monde, tout son QSO là-bas, là, sur la Côte d'Azur. Et il y a du monde, ça marche vraiment bien. J'ai vu d'autres départements là où ça avait l'air de marcher aussi, là, apparemment, là, d'après ce que j'ai vu là sur le forum, les ondes du routier. Alors, attends, que je regarde. Belfegor, oui, je t'ai répondu, Belfegor, le canal 27, c'est la fréquence 27-275, en AM. Alors, attends, je réponds en même temps que je tiens le micro. En AM, oui, voilà. Ok, voilà, on a Belfegor, je ne sais pas sur quel département il est, mais bon, il tend les grandes oreilles là derrière pour essayer d'entendre quelque chose. Alors toi déjà, on a, et ça je l'ai, là ce que je te lis en ce moment, c'est directement sur le chat du forum des ondes du routier. Car toi, le but de la CB aujourd'hui, c'est de créer une interaction. Pour revenir à ce que tu me disais tout à l'heure au niveau de la CB n'a absolument rien de ringard comme certains peuvent le penser. Puisque là aujourd'hui, ben, c'est pas compliqué, on crée une interaction CB Internet. Internet CB. Et là, toi, pendant qu'on est en QSO, là, en même temps, là, sur le canal 27, je donne quelques news, justement, de ce que nous faisons, là, et bien, sur le forum des ondes de routier, là, sur Internet. Ok, mais ça va, c'est sympa. Mais, ouais, c'est sympa, ouais. Après, ouais, comme tu dis, pour écrire une matrice, c'est le forum, histoire de voir des petits gens, ça, c'est vrai, ça pourrait être sympa, ouais. Oui, affirmatif. Bon, ben, tout à l'heure, il y a eu un petit couac, t'as dû partir en vitesse. Bon, ben ça fait partie des aléas. Mais bon, on aurait pu faire aussi l'inscription pour la même occasion. Hein. Là, comme... bon, c'est pas grave, de toute façon, ça se fera à un moment donné. Hein. On t'a avec nous dans le groupe sur Facebook, le groupe Division 14 OVR. Alors, attends... c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il me dit? Non, c'est bon. Donc c'est déjà pas mal. Tu peux suivre juste une petite partie de l'actualité du forum. Ce qui est déjà bien. Hein. Et putain, j'essaie de faire deux choses en même temps. Ça coince, ça chie. retourne le micro parce que là je pédale à chaque là. Là, je suis en train d'essayer de suivre de front les messages pour y répondre en même temps là, par rapport à ce que nous faisons et tenir le QSO, hachi. Ouais, ça fallait bien que je relâche un petit peu le micro. Il y a peut-être d'autres stations qui voudront entrer derrière, comme ton collègue par exemple. Je sais qu'il y a d'autres stations sur la région aussi là que j'ai déjà eu là ici. Peut-être qu'ils vont se joindre. 14 Victor Echo 27, je sais pas si Eric qui est sur Villeneuve d'Ornon, je sais pas s'il a l'écoute là derrière, peut-être pas encore, mais c'est vrai qu'à chaque fois en principe il nous rejoint. Bon, retour à toi, Malboro. Chameau, je veux dire. Malboro. Ouais.
Attends, voilà. Vas-y, pose-moi des questions, là, je réponds en vitesse. Des questions, oui. Il me semble que, comme tu disais, celui qui est un pilote d'ordon, il ne pas le chercher. Voilà, je viens de répondre là actuellement là sur le forum. Je, justement, j'aurais dit que. Alors attends, je suis en ce moment avec Chameau. Chameau. Voilà, avec Chameau en USO en attaque. Je leur donne des news des deux côtés. Je me suis mis en même temps là sur le forum et sur le groupe. Comme ça, là, je suis un peu les deux de front. Hein. J'ai reçu ton message tout à l'heure de la motif que tu voulais faire là. Donc du coup, ça donne quoi? T'as réussi à jouer un petit peu. Bon, j'ai déjà pensé pas, mais c'est un petit peu en Wilson qui date de 14-18. Il habite à M, SM, A, L, L, M, B. Chaîne 19, on passe directement à M19. Après, il y a marqué PA, ça c'est un micro Empire. Et voilà quoi. Après, ouais, j'ai voulu me sketch. Attends deux secondes, tu vois, tout à l'heure je me suis croisé les orteils, j'ai dit Chameau, j'ai dit Marlboro, et là tiens, devine ce que je viens de marquer là sur le chat du forum, et eh bien tiens, Marlboro. Alors attends, je rectifie ça. Déjà pour t'expliquer, AMFM, ça c'est les modes d'utilisation. Voilà, c'est deux modes d'utilisation que tu peux utiliser, comme là en ce moment on est en AM. Voilà, l'AM est reconnaissable à son bruit de fond, la FM a un autre bruit de fond plus aigu. Voilà, c'est pour expliquer vraiment le plus simplement la différence entre les deux. NBANL, tout ça, ça c'est les filtres. Voilà, bon, vaut mieux les avoir enclenchés en permanence. Comme ça, ça permet d'éliminer certains parasites. Voilà, 14 Victor Echo 27 Eric, qui est également membre du forum et du groupe. Je lance un appel sur la fréquence, je vous entends à 59. Alors, en même temps sur le chat et sur le forum Belphégor. Oui, il y a la station Belphégor qui est membre du forum, là, qui nous entend, enfin, qui m'entend là à 59. Alors, je te réponds en même temps, en fréquence. Voilà. Comment j'écris ça coince. Voilà, Belphégor, tu as les 73-51, voilà, de la part de Chameau, qui est avec moi, là, en QSO, là, sur le sud-ouest de France, secteur Saint-Émilion, Castillon, La Bataille, Libourne, pour qu'il situe un petit peu le coin, les 213 aussi, de ma part, Belphégor, de la part de Dandy 33. Voilà. Chameau est actuellement en mobile, et moi, je suis actuellement en fixe. Voilà, retour Chameau, je sais pas si t'entends. Ah oui, 5 sur 10, on entend super bien, c'est assez calme, c'est propre et tout, c'est super content. Ah bah toi, que tu m'entends bien, oui, il doit y avoir peut-être quoi, 10-15 km, hein. Oui, peut-être 10 km là, entre nous deux. Hein. Et comme en plus j'ai mis la puissance là pour que tout le monde nous entende, attends, 73, je suis en fréquence, mais je ne copie qu'une station romaine. Non, je suis pas romain moi. Milanaise. Milan, d'accord, ok. Ouais, d'accord, il copie une station romaine plus Italie. D'accord, je lui réponds en même temps. Voilà, ça y est. Ok. Oui, tout à l'heure, tu me demandais là pour 14 VE, Victor Echo 27, Eric, hein, il est sur Villeneuve-d'Ornon.
Toi, je sais pas si t'entendras. Non, je pense pas. Je pense pas. Par contre, il est possible que tu l'entendes. En tout cas, moi ici, je l'entendrai là, dès qu'il passera là, de notre côté. Hein. Ok, est-ce que tu arrives, est-ce que tu peux avoir Chouchou là de, derrière, là, qui est sur les bournes? J'essaie de le contacter là par SMS justement, parce que, par SMS, donc du coup il m'a dit comme ça qu'il avait des choses à faire, il m'a dit ça pendant très longtemps, mais bon, je sais pas si c'est l'air de ce qu'on va finir, mais dans ce contexte, il est assez en tête quoi. Ah oui, parce qu'en plus, oui d'accord, ok, bon, ne me dis pas où c'est qu'il habite, j'ai une petite idée, il est en tout cas en immeuble. Et donc il est obligé de tout démonter, c'est ça? C'est exactement ça. Ah la vacherie, ouais. Ça c'est dommage. Comme tu dis, c'est ça. C'est chiant pour lui, ouais. Mais bon, j'aurais eu une voiture, ça aurait été pareil, parce que pour mon enfant, je n'aurais pas pu passer. Mais l'occasion, de toute façon, pour mon enfant, si tu veux encore être capable, c'est la meilleure méthode. Donc bon, ouais, c'est sûr, oui. Et le prochain coup là que tu pourras revenir chez moi là, quand on s'occupera là, de ton matériel, j'aimerais bien inspecter aussi là, ton antenne. La démonter, faire un bon nettoyage, ce ne sera pas du luxe. Hein. Et, parce que ça trouve, c'est peut-être pour ça que qu'au niveau taux, c'est encore un petit peu élevé, malgré qu'elle est pas mal. Elle est pas mal sur la plage de fréquence, elle est pas mal pour les 40 canaux, mais c'est un petit peu haut, alors il faudra qu'on voit niveau masse, il faudra qu'on voit démonter l'antenne pour tout nettoyer, ça lui fera du bien. Oui, ça y est, j'ai la question de tout à l'heure qui me revient en tête, que tu m'as posée. Ce que je voulais faire, c'est demain, je voudrais zioter là sur internet, hein, voir si je trouve quelques modifs qui puissent nous intéresser, dans le sens de pousser la modulation, voire pour la fréquence, pour n'importe quoi, voire pour la puissance. Voilà. Car si au niveau puissance, je ne sais pas si je vais pouvoir, ouais, j'espère pouvoir gagner un petit peu, sans pour autant pousser à fond. Pour la modulation, j'aimerais bien quand même gagner un peu plus. Car c'est vrai que par rapport au signal, la modulation n'est pas très épaisse. Et tu as dû t'en rendre compte dans la précédente vidéo, je crois, non? Oh, oui, putain, de ton côté, ça critique au taquet quand tu me reçois. C'est abusé. Donc, ça me fait même que je te casse pas les oreilles à force, toi. Ah, mais je te rassure, je me casse les oreilles tout seul moi-même. Bah, j'ai un défaut. C'est quand je te parlais comme ça en face de moi, bon, je parlais normalement. Dès que j'ai le micro dans les mains, j'ai la fâcheuse manie de monter le volume. Le volume des cordes vocales. Et ce qui fait que, ben oui, forcément, ça pousse un peu à l'autre bout, quoi. Et certains m'ont déjà dit que ça saturait un petit peu. Et tiens, c'est quand cet hiver. Oui, 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 cet hiver, quand j'étais avec Gilles sur le Québec, sur le QTH de la ville de Fabienne, c'était Gatineau. Gatineau, voilà. Oui, on a passé tout l'hiver à faire des QSO ensemble là, sur le 18 supérieur. C'est-à-dire le 18 supérieur, c'est la fréquence 27-625. Donc depuis l'automne et tout l'hiver, on a passé on a fait tous les QSO, enfin on était pratiquement tous les jours ensemble en QSO. Et une fois, j'avais dû pousser le volume à peu près, un peu fort. Je suis arrivé écrasé là-bas au Québec. Et comme l'un comme l'autre, enfin l'un comme l'autre, je vais dire, putain, je bafouille. On fait pas mal de vidéos. J'ai pu écouter les siennes. C'est vrai que j'ai vite compris qu'il fallait que je fasse quelque chose de ce niveau-là, que je baisse un petit peu le volume ou que j'éloigne un peu le micro parce que ça tendance à passer un petit peu trop fort.
Stations là, du forum essaient de nous entendre, de nous avoir, mais il y a une telle propagation côté Espagne, côté Italie, Roumanie aussi, que là c'est un petit peu dur là, pour nous attraper, là, tout du moins pour nous entendre. Vinette Dornon, il est Eric. Là apparemment il n'a pas l'air d'être là ce soir, peut-être de tout à l'heure, je sais pas, ce sera surprise, surprise. Il va, il vient, c'est suivant son emploi du temps. En plus de ça, on est samedi soir. C'est vrai que Eric, à chaque fois que je l'ai en fréquence, c'est plutôt le vendredi soir. Mais bon, comme tu as vu, hier, j'ai été appelé en quatrième vitesse. Du coup, hier soir, j'ai pas pu être là. Et peut-être que lui y était, a tenté le coup, je sais pas. Mais c'est vrai que le samedi soir, là, c'est bien une des rares fois où on m'entend en fréquence le samedi soir. Hein. Personnellement, hier soir, on était vendredi, c'était à la 7, donc c'était des fois, quand c'est déjà fait le 9, pour être encore là, c'est-à-dire qu'on avait le 27 et tout ça. Le 27, j'ai essayé de penser, tout ça, bon, certains ont toujours relâché le micro, voilà. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Non, ben c'est bon. Ben oui, mais hier soir, hélas, ça, j'ai pas pu. J'ai pas pu, comme je t'ai expliqué, là où je suis, là au niveau du pro, c'est absolument pas faisable. Ça serait, puis en plus, non, ça serait de la connerie que j'essaie de faire quelque chose. Je pourrais, mais bon, il y a des fois, il vaut mieux s'abstenir. Tout à fait, tout à fait. Hein, mais moi, tu sais, vous m'avez l'idée, la fois, j'avais ouvert ma fenêtre, hein, je parlais des fois dans le micro, si tu veux, mais bon, il va travailler. Et donc, du coup, j'ai eu l'entendre tout ça, par exemple, dans ce que j'appelle, tout ça. Et en fait, quand je t'en entends, j'avais comme vous. Je sais pas, comme vous avez. D'accord, moi je ne sais pas parler. Ouais, affirmatif, ça vaut pas le coup de risquer sa place pour ça. Hein. Absolument pas. Après, tu pourrais plus acheter le matériel, ça serait très con. En plus de ça, et toi, t'es avantageux par rapport à moi. T'as vu la hauteur de ton véhicule? T'as, mais je dirais pas que t'es aussi haut qu'une maison, mais bon, t'es quand même pas mal haut, quoi. Là, c'est. T'es vachement avantageux, hein, question hauteur. Hein. Là, t'as carrément un fourgon, en plus, il est quand même très haut. L'antenne en plein milieu de dessus, peut pas espérer mieux. Hein. Ah, ça c'est sûr qu'on peut pas espérer mieux. D'ailleurs, pour répondre à la question de la dernière fois, là, savoir si j'ai passé depuis la station, mon antenne est juste pas très bonne, et je peux en tirer, ça me coûte. Alors, du coup, bon, j'ai vu ça toucher, en plus, J'avais pas envie que ça passe dans tous les temps, donc du coup je me suis trouvé, et elle a allongé, voilà, j'ai arrêté. À mon avis, maintenant il y a un point d'œil
Alors ça sent pas lourd pour le moment. Tu m'étonnes. Non mais là, vu la hauteur que t'as, tu touches. Parce que je vois avant, j'avais un Citroën Évasion. L'antenne, la pointe de l'antenne culminait à 3,60 m. J'ai touché les goulottes que l'on voit là, longer la station essence. Voilà, le reste, ça passait, mais juste ça, toi, j'ai touché sur la pointe. Alors toi, vu la hauteur du fourgon que tu as, plus l'antenne par-dessus, t'es encore bien plus haut. Donc c'est sûr, t'as qu'une solution, c'est aller à la station poids lourd. Hein. Là, pour faire le plein, là, t'as pas le choix. Là. Ah, ça c'est clair. Mais tu sais pourquoi je vais faire ça? C'est pour que les gens m'envoient de plus loin. En fin de compte, c'est pour les inciter à mettre plus d'antennes sur leur voiture ou sur un camion. Voilà. Donc, s'ils me disent qu'ils n'envoient pas l'antenne, c'est vraiment un gros souci. Là. Ok, Belfegger, vas-y, lance un appel, on va voir si on t'entend. Voilà, vas-y, Belfegger, lance ton appel. Bon, ben, Belfegger, là, on t'entend absolument pas du tout. Quoique, à un moment donné, j'ai peut-être entendu quelque chose. C'est peut-être la propague. Je sais pas. Je sais pas du tout. Alors, j'ai profité, là, par la même occasion, pour relancer un appel général, Chameau, là, pour voir s'il y a d'autres stations là, qui veulent se joindre là au QVSO. Alors, attention les stations fréquences, attention les stations fréquences pour le grand QSO national du canal 27 avec les ondes du routier. Les 913-51 vous tous de la part de Chameau et de Dandy 33 là, sur le sud-ouest de France, secteur Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille, Libourne. Ouais, j'ai entendu un Roger Bip derrière, les bonnes surprises 51, la station de la part de Dandy 33. Là, il y a pas mal de propagandes de l'étranger par la même occasion. Là, retour de micro. Ouais, la station avec le Bip, les bonnes surprises 51 de la part de Dandy 33. Là, retour de micro, s'il vous plaît. Ah, ça passe pas. Oui, Chameau, vas-y, j'ai pas compris. Je disais, je reviens là, j'ai cherché une minute pour rien. Ok, à de suite. Ok, en même temps, j'ai été d'appeler Chouchou là parce que j'ai une nouvelle, une part de ça, donc j'ai essayé de bouger un peu pour essayer que. Je peux pas là. Ah, ouais, je peux pas. Bon, je sais pas ce qui s'est passé.